le bête, d'accord? Donc rien à voir avec quelqu'un qui est bête, ou d'accord, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est la deuxième lettre de l'alphabet, et le mot bête, d'ailleurs, vient du mot bayit, qui veut dire une maison en hébreu, tout simplement. Donc là, j'espère que vous êtes bien assis sur votre canapé, que vous êtes bien installé sur une chaise, avec une table, avec un bel écran, que vous regardez tout de manière apaisée et vous faites le vide autour de vous. C'est parti pour la seconde lettre de l'alphabet, le bête. Alors vous vous rappelez un petit peu, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait 22 lettres, d'accord? Donc plus que 20 lettres après le bête, ça va. Franchement, on va y aller petit à petit et à la fin, vous saurez lire dans la Bible, dans le texte original, vous saurez lire des poèmes en hébreu parce qu'il y a les voyelles, vous saurez lire plein de petits textes comme ça, que peut-être vous vouliez lire depuis longtemps, peut-être de la liturgie juive. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir le réaliser grâce à nos leçons Aleph Bet de la Cour d'Hébreu. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acourdhébreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien, et merci à notre partenaire Beivri.